This is Great Chefs of France, featuring some of the country's top artisans from Rouen to Lyon, from Paris to Cannes. Welcome to a culinary tour of some of the world's preeminent dining destinations. This time from Paris, Alain Passard. From Joigny, Jean-Michel Laurin. And from Myonnais, Philippe Jousse. La Côte Saint-Jacques is a spacious upscale restaurant on the banks of the Yonne River. Jean-Michel Laurin, with his wife Brigitte, ran an operation that was awarded a 19.5 out of 20 Go Millau points and 4 stars, the highest rating, from the Bottin Gourmand. Chef Laurin presents turbo in salt crust. The chef begins the salt crust with flour. Note he'll use the dough hook attachment on the electric mixer. La farine, le sel, salt. Donc, on va mettre à peu près 500 grammes de farine pour 200 grammes de sel. Et ensuite, on va mélanger doucement ces deux ingrédients. Et je vais incorporer de l'eau. Water is added slowly. This technique is not unlike that used for pie dough, in that liquid is only added until the dough comes together in a ball. Donc je mets de l'eau. Et dès qu'on obtient une seule boule, c'est que là, il y a suffisamment d'eau dans la pâte. On va vérifier. Encore un peu. Je pense que là, ça devrait être bien. Vous voyez, ça va faire une seule boule dans la machine. Et là, on sait que l'humidité est bonne. Voilà. Donc, je vais récupérer ma pâte. Hein ? On va récupérer, il reste toujours un petit peu de farine. The dough is refrigerated for 3 to 4 hours, then rolled out into a sheet. Dans cette pâte à sel, on voit bien le sel dans la pâte. Donc je vais prendre la quantité de pâte nécessaire. Alors c'est une pâte qui est très fragile, qui casse beaucoup, c'est pas grave. Voilà, donc le turbo. Dans un premier temps, on va l'essuyer. The fish is thoroughly dried. Voilà. On va le saler très très peu. It's seasoned with a little salt. Remember, a salt crust does not impart saltiness to the food it encloses. The salt tends to keep the meat tender and juicy. Ce turbo sur la pâte, et je vais refermer complètement la pâte à sel en essayant de faire le moins de trous possible, ce qui n'est pas toujours facile. Voilà, donc là, j'enlève tout ce qui ne va pas servir.
The crusted turbot goes back in the refrigerator. Meanwhile, the green part of some leeks, along with some fish stock, begin what will eventually be the sauce. Voilà, on mouille à peu près à hauteur. The white part is blanched in boiling, salted water. Voilà. Ensuite, donc, on a une deuxième partie de garniture qui est constituée... Other vegetable garnish includes red bell pepper and green onions. With the latter, some will be served whole, some will be thinly sliced. Deux formes. On va les couper comme ça. Et on va garder une autre partie des oignons entiers, juste épluchés. The sliced red pepper is cooked in a little butter. Étuvé dans cette première casserole. Tout doucement. Donc the sliced onions are blanched in water. On va les blanchir avant. Blanchir dans un petit peu d'eau. On va leur donner une bonne ébullition. The quickly blanched onions are drained and butter is added. Je les égoutte. Je les égoutte et je vais faire comme pour les poivrons. Une petite noix de beurre. Et une cuisson. Voilà, donc on va faire deux cuissons douces, étuvées. The whole green onions go into salted boiling water. Voilà, dès que ça bout, je mets mes poireaux dans l'eau. The green part of the leeks, after draining, are chopped. The chopped leek is put into heavy cream. De ces poireaux. Dans cette crème. To review the vegetables, we have stewed red pepper and green onion. We have boiled green onions and we have boiled chopped leeks in heavy cream. The green part of the leek, which was cooked in fish stock, is pureed with a stick blender. The blended leek is drained and is combined with the heavy cream. On égoutte la cuisson des deuxièmes poireaux. C'est la meilleure. The whole green onions are cooked and put in cold water. Meanwhile, the crusted turbot is painted with an egg wash and goes into a 400-degree oven for 18 minutes. The fish is rested, then opened for service. Une pâte à pain, un genre de pâte à pain. Voilà. Donc là, on va sortir. Je vais mettre... The leek stewed in cream leads the presentation. The bones and skin are removed from the turbot. On pose une première partie. The stewed red pepper and onion. On va mettre la garniture. Dessus. On repose le deuxième morceau de turbot. Green peas. Voilà. On va mettre quelques oignons. Whole green onions, toasted almond slivers, and the leek cream sauce finish presentation. Et on va donc terminer avec les amandes.